Et salut à tous, c'est Julien RY pour une nouvelle vidéo de Plugin. Et aujourd'hui, nous allons faire un scénario officiel, évidemment. Et donc, nous allons faire le virus congelé. Alors, par erreur, j'ai supprimé la vidéo. J'avais tourné le 18 avril. Et là, nous sommes le 26 mai. Donc, on va le tourner un mois plus tard. Et normalement, la vidéo devrait arriver avant le 1er juin, si tout se passe bien. Donc, voilà. Donc ce que nous allons faire, c'est le virus congelé, en régulier évidemment. On va laisser plutôt virus. Donc ça commence en Russie, 50 et il date de 50 000 ans apparemment. Voilà. Ça commence en Russie. Donc nous allons voir ce que ce virus donne. Donc alors ce virus, pour moi, lorsque j'ai joué la première fois, ça m'a fait penser à plusieurs personnes en fait, qui sont pas très clean dans leur tête, qui se comportent, on va dire, comme des... hommes préhistoriques, hein. Il y a certainement un abonné qui va comprendre de quoi je parle, probablement. Donc là, je gagne pas mal de points d'end, c'est bien ça. Allez, et vous allez voir les symptômes, vous allez comprendre. D'accord, ça arrive déjà en Corée, ça va vite. Et j'ai encore rien fait du tout. C'est bizarre tout ça. Allez, Suède, on sait pourquoi. Oui, je sais, bulle rouge donne de l'ADN. Ouais, ça a fait un nouveau pays alors que je fais rien du tout, c'est n'importe quoi. Ah, Norvège, quand même, il se passe des choses là-bas. Ça freine l'infection. Voilà, sa peine a augmenté. Tout ça, c'est bon. Donc, regardez, nous avons Amibe 1, Amibe sensible aux infections virales qui se multiplient essentiellement en eau douce et salée, au moins l'infectiosité. Nous allons faire O2. En capacité, cette fois-ci, nous allons faire réparation ADN 1, réparation des brins de protéines abîmées durant la redormance, restaure d'anciens symptômes et la résistance à des environnements plus chauds. x1, x2 et x3, 30 000 ans sous la glace, ou complètement solidifié l'eau, la coquille pédique du virus, assurant sa survie à des températures en dessous de 0. Donc, résistance au chaud 1, nous allons faire. Hein. Voilà. Donc là nous avons déjà quelques petits symptômes, on ne va rien faire pour le moment. Nous allons faire Amibe 2. Voilà, comme ça, ça va pouvoir infecter les animaux plus tard. Et voilà, des avions qui partent en Arabie et aux États-Unis, ça va vite. Mais il faut protéger contre les médicaments. Et ça, on aura beaucoup de mal parce qu'il faudra faire la réparation d'ADN 2, je crois. Ah, ça atteint l'Allemagne. Ah, Russie vient de détecter, ou trop tard. Résistance au médicament 1. Voilà. Allez. Japon et Suède infectés. Allez, ça va au Groenland maintenant. Et au Canada. Là, bon, la Russie, elle est complètement infectée. Nouvelle-Zélande au centre d'un champ magnétique. De récentes perturbations magnétiques dans le champ terrestre persuadent les scientifiques d'exploiter la Nouvelle-Zélande comme nouvelle source d'énergie. Alors, là, c'est l'Europe de l'Est qui est... D'accord, Russie recherche déjà un remède. Alors, nous allons faire quelque chose. Alors, nous allons aller dans les pays chauds, je veux dire comme ça. On va faire insecte 1 et rongeur 1 pour les villes. Non, on va faire oiseau. C'est mieux. On va faire réparation d'ADN 3 pour débloquer des nouvelles choses. On va faire des symptômes gentils, mais vous allez comprendre. Parce que l'on répare l'ADN pour ressusciter quelque chose il y a des milliers d'années. Même avant la civilisation grecque. Et bah. Australie maintenant concernée. Il ne fait pas ces chauds là en fait. Réparation ADN 4 pour résistance au chaud 2, d'accord, ça ne change rien du tout. Dans ce temps-là, en transmission, non, c'est au sud, là. On va à Amibe 3, alors. Ah, ça débloque ça, d'accord, j'ai compris. Perte de mémoire, ouh là là. Perte de mémoire, qu'est-ce que ça fait, perte de mémoire? Ah, c'est ça. Les patients perdent la mémoire à court terme, remplacés par des vagues souvenirs historiques. Impact négatif sur l'élaboration d'un remède, d'accord. Bon, allez, réparation d'ADN 5.
plus virant là, que d'accord. Le Japon commence déjà à chercher un remède, ils sont en retard. Ouais. Je croyais plus intelligent que ça. Bon, résistance au chou 3. Et nous allons faire insecte 2 pour les pays chauds. Ça va très vite augmenter, je pense. Là pour l'Inde, ça c'est fait. Voilà. Et de nouveaux pays au sud. Immaturité, ok. Donc l'immaturité, c'est l'un des symptômes qui fait penser à certaines personnes. Donc baisse du taux d'hormones ou d'un comportement immature et antisocial et gênant la recherche d'un remède. Et ouais. Voilà, là ça retourne à quelque chose, vous allez bien comprendre. Enfin, il y en a un qui a dû comprendre. Une un je pense. De quoi je parle. Kiste, d'accord. Hein. Bon, alors nous, je pense que j'ai infecté à cette personne. Donc maintenant nous allons faire des symptômes beaucoup plus méchants. Donc nous allons faire réparation d'ADN totale. Renforcement génétique 1. Résistance à la glace. Voilà, plus difficile à détecter en plus. Donc les symptômes, nous allons faire perte de dents. Dentition carnivore. Et oui. Régime hormonal, création de dents de carnivore et consommation de viande crue. Et oui. Donc voilà, et nous allons. Non, ça n'a pas besoin. Royaume-Uni ferme leurs aéroports, d'accord. Est-ce qu'il y a un pays qui n'a pas été infecté encore? Bon, tout a été infecté, donc ça va monter très vite. Aphasie, d'accord. Donc là, il y a dû se passer des choses. Non, extermination des pigeons, d'accord. Distribution d'eau minérale. Donc là, on va pouvoir commencer ce qu'on va faire. On va commencer déjà par 10... palsifibrose, croissance continue, dose à haute densité due d'un stress musculo-squelettique grave souvent mortel. Voilà, infection accrue au lieu aux liaisons cutanées. Donc nous allons faire d'abord les liaisons cutanées pour pouvoir faire ça. Voilà, ensuite après nous avons agression, mais nous allons voir ça plus tard. Ah, on peut désévolutionner des trucs, mais ça coûte apparemment. D'accord, on va attendre nos points. Il y a des gens qui ont l'abcès. Iran, la première mort, c'est un nouveau Iran. L'espérance n'a pas montré trop vite. Hein. Agression, ça vient d'augmenter. Donc voilà. Et les fantasies traniens. Pression sur cerveau goûtu à la croissance osseuse. Traumatisme entraîne gravement le développement d'un remède qui peut être létal. Et ça, enfin, régression néandertalienne. L'ADN recombiné détruit les fonctions logiques et émotionnelles du cerveau, entraînant une régression complète vers l'état de Néandertal. Et voilà, c'est ça l'objectif de ce virus, c'est que ça ramène l'homme de Néandertal à l'âge de pierre. Voilà, et pourquoi ça fait référence à des gens que je connais, puisque il y a des personnes dans ma classe, hein, ils sont pas très tout de suite, on va dire comme ça, et ils sont, on va dire, développe des fois un peu ce symptôme là, agression comme agression et régression néandertalienne. Enfin ça je pense que c'est dans tous les établissements scolaires. Hein. On va dire. Allez, petite peste noire, d'accord, mais je crois que... Ah oui, c'est vrai, il nous manque un truc à gagner. Bon. Choc hémorragie, mais ça je m'en fous de ça. Moi ce que je veux, c'est le truc final. Calcium. Oh, ça parle de calcium. Grenier devenu langue officielle, vous avez vu? Voilà, c'est la régression de l'être humain. Coda ripest imposé. Eh oui. Viande crue rationnée, d'accord. Un grenier encart vernicole. Ok. Allez, régression néandertalienne. Après, c'est fini. Infection systémique. Ok. Donc voilà, nous pouvons faire la régression. Et c'est terminé, maintenant nous avons tout gagné. Bon, on peut faire d'autres choses, hein. Assistée cancéreuse, d'accord. Wow. Ça c'est violent. Les humains deviennent des hommes néandertal. Les personnes infectées par pitovirus ont totalement régressé physiquement et mentalement vers l'homme de Néandertal. Le monde ne sera plus jamais pareil, oui. Et je pense que ça commence déjà. Ou il y a peut-être une autre forme d'évolution.
Si vous connaissez Inazuma Eleven Go Chromestone, Inazuma Eleven Go Chromestone, qu'est-ce que je veux dire en fait? Et bah les enfants évoluent pour devenir des enfants de la seconde phase. Et ils ont des super pouvoirs comme la télékinésie. Ça c'est quoi ça? Ah, Homo sapiens ne revient pas. Apparemment c'est ce que j'ai compris. Voilà, terminé. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. La prochaine fois on va faire le Fungus, le Verderax. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Commentez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, likez ma page Facebook, suivez-moi sur Twitter, sur Universe aussi. Et au revoir.